Bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto, pour réaliser une carte pour Noël à offrir à vos amis ou à vos proches. Voilà, je vous montre la carte. Voilà. Pardon, je vais la sortir de son emballage. Alors, en fait, sur cette carte, là, vous avez du Wink of Stella pour faire normalement briller la carte, mais je ne sais pas si on le voit. Il y en a également sur les petites boules. Voilà. Je ne sais pas si vous allez le voir. J'ai tout repassé du Wink of Stella sur mes parties rouges. Voilà. J'espère que cette carte vous plaît. En attendant, je vais me présenter. Alors, je m'appelle Véronique Faure, j'habite à Beauvallon, un petit village à côté de Valence. Et je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 4 ans. Alors, en ce moment, il faut que je vous explique que chez Stampin' Up, vous avez une promotion pour les nouvelles recrues qui passeront par moi, que je parrainerai. Alors, vous avez le pouvoir de choisir 175 € de marchandises dans tout le catalogue ou dans le petit catalogue de Noël et de payer seulement 100 €. Donc en fait, vous choisissez pour 175 € et vous payez que 100 €. Ce qui est vraiment très avantageux quand on débute parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on va prendre et ce qu'on va faire. Et si vous ne voulez pas être démonstratrice, vous pouvez être votre propre cliente et passer votre commande tous les mois de manière à garder votre abonnement Stampin' Up. Voilà. Alors, en fait, il faut savoir que l'aventure Stampin' Up, c'est quand même une chouette aventure. Moi, j'aime beaucoup. Par contre, si vous devenez démonstratrice, vous n'êtes pas obligé de réaliser des tutos comme moi, je le fais. Je le fais parce qu'au début, je ne le faisais pas et qu'un jour, j'ai eu envie de le faire. Donc, voilà. Après, c'est selon vos envies. Vous réalisez des ateliers si vous avez envie. Vous pouvez par contre commander avec vos amis si vous voulez. Ça vous fera des frais de port moins chers et gagner des primes créatives et voilà. Et puis voilà. Donc, si vous avez besoin d'informations, le recrutement se fait du 4 au 30 novembre 2021. N'hésitez pas à me contacter. Vous recevrez, si vous souhaitez signer avec moi, vous recevrez toutes vos fournitures de lancement gratuitement. Et vous, c'est-à-dire vos catalogues, vos brochures, vos cartes, vos bons de commande, plein de choses qui vous permettront de commencer votre activité et de pouvoir recruter vous aussi, pourquoi pas. Et autre chose donc, que je voulais quand même vous faire remarquer, c'est que même si vous êtes loin de chez moi, vous pouvez passer commande sur ma boutique. Il n'y a pas d'obligation à passer commande chez quelqu'un qui se trouve à côté de chez vous, par exemple. C'est pour cette raison que sous la vidéo, vous allez trouver le lien de ma boutique où vous pourrez trouver toutes les références du matériel que j'ai utilisé. Vous n'avez plus qu'à vous inscrire dans la boutique, taper les références, sélectionner dans votre panier et ensuite payer. Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. Vous n'êtes attaché à aucune démonstratrice. Ça peut être moi, ça peut être une autre, ça peut être qui vous voulez. Mais sachez que même si j'habite à 500 km de chez vous, vous n'avez aucun problème pour passer commande sur ma boutique. D'accord? Voilà. Allez, je ferme cette parenthèse et on passe à la réalisation de notre carte. A tout de suite, je tourne la caméra. Voilà, ça y est, nous sommes installés. Alors, si vous entendez du bruit derrière moi, ne vous inquiétez pas, c'est ma fille qui est avec le chat. Alors, je vais quand même vous montrer le matériel que j'ai utilisé pour réaliser cette carte. Alors, j'ai pris poinçon cadre festif, c'est-à-dire que c'est ceci. Alors, ils sont vraiment géniaux parce qu'en fait, vous découpez là cette partie-là et vous venez la gaufrer dans le classeur de gaufrage. Vous la passez dans la machine et vous la gaufrez là-dedans. Voilà. Je vais vous montrer... Voilà. Je vais vous montrer. Vous allez voir qu'elle s'emboîte super bien dans la sorte de gaufrage. Alors ceci, il faut le prendre à l'endroit quand même, un minimum, parce que si je ne le prends pas à l'endroit, je ne pourrais pas y arriver. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là. Hop.
voyez, elle vient s'emboîter directement dedans. Donc en fait, à la base, vous la découpez avec cette matrice et vous venez la mettre là, d'accord? Et vous la passez dans votre machine, tout simplement. Alors, pour celles qui n'ont pas les plaques d'adaptation, parce qu'elles ont toujours des vieilles machines, je vous mettrai le numéro, pardon, la référence de la plaque, de manière à ce que, si vous souhaitez, vous pouvez la commander. D'accord? Voilà. Donc j'ai pris cette collection. Cette collection s'appelle cadre festif. L'ensemble, c'est tout vendu ensemble si vous le souhaitez, à moins 10%, d'accord? Avec, vous trouverez donc le classeur de gaufrage, les matrices, donc il y en a quand même quelques-unes, hein, vous voyez? Ça, c'est tout un ensemble, hein. C'est tout ce qui va avec, hein, d'accord? Vous allez trouver ça. Et puis, vous allez avoir également le set de tampons qui va avec, d'accord? Joyeux moment. Ça, c'est tout un ensemble et l'ensemble, il est à 64,75 €. Voilà. Ensuite, alors j'ai utilisé le papier de la série Soyeuse Succulente. J'adore ce papier. J'en suis red dingue. Et enfin, j'ai utilisé ah oui, du papier brillant aussi. Voilà, je vous mettrai toutes les références, hein. J'ai tout découpé à l'avance. J'ai utilisé mes joyaux, mes gemmes du jardin. Oh, j'y arrive plus. Pardon, excusez-moi. C'est le jardin d'Éden. Donc voilà. Et puis, ceux-là, ici, pour le centre de ma fleur, ça s'appelle Champagne Rigestone Basique. Alors, j'espère que. Putain, mais moi, je vois bien le brillant, mais j'espère que vous allez le voir aussi. Ah, sur ma feuille, là. Vous arrivez à le voir? Ouais. On arrive à le deviner quand même. C'est mon Wink of Stella. Voilà. Donc nous allons réaliser cette carte ensemble. Alors, pour commencer, il va vous falloir une feuille de 10,5 par 20. Attendez. 10,5. Non, c'est 14,5 par 21, pardon. 14,5 par 21, donc blanc blanc. Alors, ce qu'on va faire, on va la plier en deux. Voilà. Vous marquez le pli avec votre marque, avec votre coupe-papier, hein. Moi, je le fais comme ça. Voilà. Toc. Prenez votre coupe-papier et puis vous pouvez marquer les plis avec votre coupe-papier et votre plioir en os pour marquer le pli. Voilà. Ensuite, je vais faire cette partie-là. Donc, je vais coller ça là-dessus. D'accord? Le seul truc, c'est que je vais prendre du double face pour le coller parce que ça prendra pas la colle. Donc, vous pincerez bien. Si vous prenez du papier brillant comme moi, à le coller avec du double face parce que la colle elle fera pas son boulot, du moins j'ai des doutes, donc autant mettre du double face. Vous avez vu derrière comment ça fait le gaufrage, ça fait vraiment chouette, hein. On voit tous les dessins, c'est magnifique, j'adore. Voilà, oh punaise, il a collé sur mes doigts. Voilà. Pardon. Hop, voilà. Alors en fait, il n'y a que cette partie qui est collée parce que les feuilles, je ne mets pas de colle dessus. Comme j'ai fait sur l'autre, je n'ai pas mis de colle sur l'autre. D'accord. Là. Ça vient donc comme ceci. Alors on essaye de le mettre le mieux possible parce que c'est vrai qu'en fonction d'un côté et de l'autre, hein, ça sera peut-être pas symétrique, mais c'est pas très grave parce que en fait l'autre à moi n'est pas symétrique.
Ouais, alors faites bien attention quand vous allez le mettre, parce que là, une fois que le scotch il a pris la place, hein, on est un peu mal. Voilà, on va dire que on est à peu près bon. Ouais. On est bon. Voilà. Donc là, en fait, rien n'est collé, hein. C'est pour que ça fasse un petit peu du volume. Il n'y a que le fond de la carte qui est collé. D'accord? Ensuite, alors je vais prendre mes feuilles. Elle est très très simple à réaliser, cette carte, hein. En fait, il suffit simplement de. Ah, il faut que je prenne mes dimensionnels. Alors, les dimensionnels, il me faut deux tailles. Il me faut deux tailles. Alors, je vais prendre ça pour les grands. Donc, lui, je viens le poser ici. Je vais me poser comme ceci. Après, il m'en faut une autre. Vous préparez toutes vos découpes et après, vous n'avez plus qu'à monter votre carte en fait. Et l'avantage que ça a, c'est que vous pouvez en faire plusieurs en même temps. Si vous avez plusieurs personnes à qui vous voulez envoyer des cartes ou offrir des cartes. Le truc, c'est que le Dimensional, il ne veut pas s'écouler. Voilà. Si vous avez plusieurs cartes à offrir, eh ben, vous pouvez très bien les faire en série, hein. C'est pas un problème. Une fois que vous avez coupé tout votre matériel, tamponné, coupé, c'est fait, hein. Alors après, je prends ma branche de houx. Voilà. Ma branche, ma feuille, pardon, je me trompe. Alors, c'est tout fait avec le même set, hein. J'adore le résultat. Je trouve que c'est super beau. Si vous souhaitez réaliser un atelier avec moi avant les fêtes de Noël, pour celles qui se trouvent près de chez moi, n'hésitez pas, hein. On peut organiser un atelier. Ouais, sans problème, que ce soit pour une carte, une boîte. J'ai un tuto de boîte que je vais vous faire faire là prochainement. Enfin, si vous souhaitez le faire, hein, bien sûr, je vous oblige à rien. Hein. Si vous voulez le faire, vous le faites. Si vous voulez pas, vous le faites pas. Hein. Moi, je propose, vous disposez. Hein. Il n'y a pas de problème. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Moi, je vous propose des tutos. Si vous aimez, eh ben, tant mieux. Si vous aimez pas, tant pis. Hein. On ne peut pas adhérer à tout. Hein, de toute façon, et je vous en voudrais pas pour autant. Hein. Vous inquiétez pas. Ensuite, alors je vais prendre ma fleur, je vais la coller. Donc il vous faut deux fleurs comme ça. Ah, mais d'abord, je vais. Non, je l'avais fait à la fin. D'abord, on va coller la fleur. Je laisse mon tube de colle à l'envers parce que la tête en bas, parce qu'en fait, il coule plus, il est vide. Alors il faut que je finisse les fonds. Après, je pourrais le jeter. Mais tant qu'il en reste, ça m'embête de le jeter. Voilà, alors je prends la petite fleur là qui est là. Pareil, elle fait partie du kit. Hein. Ma petite fleur, je viens la coller aussi au centre. Toc. Sans trop mettre de colle parce que si je mets trop de colle, ça va pas être joli parce que ça va déborder. Voilà. Et vu que le but, c'est de ne pas faire déborder. Maintenant, je vais prendre mon Wink of Stella, comme je vous ai dit, et je vais venir dessiner sur mes. Oh, c'est trop beau! J'adore. Ah, c'est les paillettes, hein. Vous savez que moi j'aime bien quand ça brille. Hein. Hop là. Wink of Stella avec. Je mets des paillettes. Je vous montrerai quand j'aurai fini de dessiner. Je fais que sur la fleur du dessus, par contre. Après, je ferai celle en blanc. J'aurais dû faire l'inverse, mais bon. J'ai commencé par la rouge. Alors, j'ai tamponné avec du rouge calico coquelicot. Hein. C'est mes petites fleurs là sont tamponnées avec du rouge calico coquelicot pour que ça fasse bien rouge et bien Noël. Voilà. J'adore ce crayon. Dès que j'en ai plus, je le recommande tellement j'adore. Alors, je vous montre. D'abord, je vais enlever le rouge que j'ai sur mon papier. Voilà.
sur mon fond. C'est vrai, il n'y en a pas. Et puis, je vais décolorier le blanc du centre. Voilà, comme ça. Maintenant, je vais pouvoir vous montrer ma petite fleur, comme elle est belle. Hop, alors là, ma petite fleur, vous voyez si elle est... Je vois pas parce qu'en fait, l'ordi, il est de l'autre côté. Alors, je vais essayer de... Ah, on voit un semblant, là, de brillant. Vous voyez? Hop, ouais. Super. Donc, voilà. J'ai mis du Winkoff Stella. Vous pouvez faire pareil. Ça fait ressortir la fleur, en fait. Ensuite, je vais prendre un petit diamant que je vais venir coller ici. Là, voilà. En le centrant, bien entendu. Voilà. Pas très très centré. Voilà. Et je vais venir remonter un petit peu mes branches, mes fleurs, mes feuilles, je veux dire. Mes pétales, si vous préférez. Pour donner un petit peu de volume. Alors pour ça, je vais quand même prendre celui-là. Hop, on le fait vite fait, sans tirer trop fort pour pas craquer le papier. Hein. Et que j'ai pas du rouge plein les doigts non plus. Voilà, ça c'est juste pour lui donner un petit peu de volume. D'accord? Voilà, et ensuite, je vais lui mettre un wing, une mousse 3D. Je cherche mes mots, c'est assez énervant. Un dimanche-chenol, voilà, un dimanche-chenol. Et je vais venir le coller ici. Voilà. Non, mais je ne vais pas coller au bon endroit. Voilà. Ah, ça s'est collé. Mais comment ça a pu se coller? Ah oui, d'accord. Ah ben oui, forcément, si j'ai mis là où il fallait pas. Bah, de toute façon, c'est pas grave, ça va pas me gêner après, parce que ça sera collé sur la carte. Toc. Oui, faites attention, faites pas comme moi, parce que vous voyez, j'ai mis le dimanche-chenol là, et en fait, il a collé sur le papier. Tout simplement. Voilà. Maintenant, on va passer à nos petites boules de houx. Alors, nos petites boules de houx, elles sont là. Et avec, on va mettre nos petites branches. Alors, ça, c'est une grosse feuille, et moi, il me faut, en fait, une petite feuille. Alors, ça, c'est le rouge, rouge carmin, et ça, c'est le rouge, rouge coquelicot. J'avais essayé avec les deux. Voilà. Alors, il me faut. Oh, j'en ai mis un gros, j'aurais peut-être pas dû. C'est pas grave. On va laisser comme ça et on va mettre un petit. Ah, punaise. Hop. Alors, si vous avez des questions, hein, vous n'hésitez pas. Je vous mets mon adresse mail en dessous. Après, on peut éventuellement partager nos MSN, hein, enfin nos Messenger. Je peux très bien répondre en visio sur Messenger aussi, hein, si vous avez des questions. Je peux vous parler sur Messenger, comme je fais avec ma marraine. Et puis certaines de mes clientes aussi, quand des fois elles ont des questions, elles n'hésitent pas. Hein. On s'appelle, on discute. J'adore ces moments d'ailleurs, si vous voulez... faire pareil, vous pouvez. Alors là, je vais prendre mes petites boules pareil, je vais les colorier avec mon brillant. Voilà. J'adore, je vous assure, j'adore le résultat. Je suis comme une gamine à chaque fois que je fais ça avec ça. Alors voilà, là il y a juste un truc qui m'embête, c'est ça. Donc je vais la faire incliner de l'autre côté. Hop. Hop. Attends. Alors, l'outil touche à tout, c'est vraiment un truc qui me sert, mais tout le temps. Parce qu'avec lui, on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire avec nos doigts. Donc, c'est vraiment super. Voilà, au moins elle est calée, ma fleur. Elle est bloquée, là. Voilà. Et l'outil touche à tout, c'est un outil que j'adore et que j'affectionne particulièrement. Parce qu'il est toujours là quand j'en ai besoin. Voilà, hop, j'en ai mis mes brillants. Je l'ai un peu trop collé au bord. Eh bien, je vais l'enlever, c'est pas grave, j'en mettrai un autre. Voilà.
Je vais enlever. Ce qui est bien, c'est que quand on ne peut pas se servir de ses doigts, on peut prendre le touche à tout. Ça, c'est vraiment du bonheur. Voilà. Hop, mes fruits. Et j'avais barbouillé aussi mes. Non, je n'avais pas mis sur mes branches là. Non. Voilà, donc notre carte, elle est presque terminée. D'accord. On va la coller sur notre support. Ici. On va la centrer. Voilà, elle est centrée. Ouais, ben je l'ai fait dans l'autre sens par rapport à l'autre, mais c'est pas grave parce que ça change pas grand-chose. Ou alors on peut la mettre comme ça. Non. Je trouve que comme ça, elle est mieux. Voilà. Et oui, parce que elle, je l'avais fait dans un sens. Tiens, laquelle vous préférez, vous? Non, mais ça ne me gêne pas, j'aime bien. De toute façon, après, je vais les offrir ou les mettre sur ma boutique Un Grand Marché. Je sais pas encore. Allez, je vais coller maintenant. Alors, sans trop mettre de colle. Parce qu'après, on en a plein les doigts. J'avais fait le fond du tube. Non, c'est bon, il en reste. Hop. Voilà. On essaye de la centrer par rapport à la carte. Ouais, j'aime beaucoup. Franchement, j'adore. Je trouve que c'est vraiment très très joli. Ensuite, alors j'avais tamponné le message. Alors le message. Ah, le message, je l'ai pris avec quoi? Chez qui je l'ai pris le message? Je vais retrouver, ne vous inquiétez pas. Alors, le petit message, il est sur ce set de tampons, toujours le même, hein, d'accord? De joyeux souhaits à toi et au tien. Après, il y a, je pense à toi en cette saison festive, être ensemble est le plus beau cadeau. En fait, c'est un super set de tampons aussi, hein. Il y a quand même des jolies petites phrases. Voilà. Donc, je vais coller ça, comme ceci. Ouais, c'est vraiment mieux avec ça. D'autant que moi j'ai pas d'ongles. Hein. Voilà. Alors, je ne l'ai pas bien passé. Voilà. Maintenant, je suis pas droite. Hop, il faut juste que je... Voilà. On est bon. Voilà ma carte. Vous aimez? Moi, je trouve ça super joli. Après, il me reste plus qu'à mettre mes gemmes de ma collection. Ah, je vais pas y arriver, hein. Jardin d'Éden. Voilà, ça y est, j'y arrive. Voilà. J'aime de la collection Jardin d'Éden. Voilà. Ils sont vraiment très très beaux ceux-là aussi. C'est un bonheur ces gemmes. Alors, là j'avais fait comme ça. Alors, je vais prendre également mon touche-à-tout. Hop, voilà. Hop. Celui-là, je vais le mettre ici, comme j'avais fait pour l'autre. Après, vous les mettez où vous voulez, hein, vos gemmes. Hein. Moi, je les ai mis là, mais bon, parce que j'avais envie. Hein. Et celui-là, je viens le coller ici. Voilà.
Le touche-à-tout sert à ça. Vous avez vu, vous avez un côté avec une pointe. Quand vous retournez, vous avez une spatule pour étaler votre colle ou votre pâte à texture, par exemple. Toc. Et là, vous avez cette partie-là pour attraper avec de la pâte, une espèce de mastic, pour attraper vos gemmes. Et vous avez encore un autre appareil qui va avec. Je vais vous montrer pour celles qui ne connaissent pas. Oui, voilà, vous avez les petites boules là pour tracer en fait quand vous voulez marquer des plis. Donc vous avez une petite et une un tout petit peu plus grosse. Et avec, vous avez une recharge qui vient se mettre là pour attraper vos gemmes comme je fais. Voilà. Vous avez ça. Et c'est très très pratique. Alors ça, je vous le conseille. Parce que pour les tout petits éléments, c'est vraiment génial. Voilà. Alors, notre tuto est terminé. J'espère que ma carte, elle vous a plu, que vous la partagerez, que vous mettrez un j'aime et qu'elle fera beaucoup, beaucoup, beaucoup de voyages. Hein. N'hésitez pas à la partager avec tous vos amis. Pour Noël, c'est une création qui est très facile à réaliser. Hein. Voilà. Avec ce set de tampons, je trouve ça magnifique. Je vous le redis encore une fois, parce que franchement, j'aime beaucoup. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Je vous rappelle que si vous avez des commandes, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye, prenez soin de vous. À bientôt.